Martine a transformé sa terrasse en élevage. Non, tu restes là. Non, non, tu restes là. Chez elle, pas de couffin en froufrou, mais un carton pour trois. On va manger ? Martine est éleveur et profite de la demande en plein boom. Le nombre de chihuahuas a augmenté de 30% l'année dernière en France. Mais les faire se reproduire est une tâche très délicate. La nurserie est dans son salon. C'est pas pour toi, non, 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 non. C'est pour ton bébé. C'est pour ton bébé. Attends. Élever ces chiots est particulièrement coûteux, car ils sont fragiles. Il faut souvent pratiquer des césariennes à la naissance. Et selon elle, un chiot sur deux meurt prématurément. Mais grâce à son savoir-faire, Martine a vendu ses chiens à des personnalités comme Mélanie Thierry ou encore Magloire. Mais aussi à Viviane, agent d'accueil dans l'administration. Bonjour. Bonjour, ça va? Et vous? Ça va, merci. Alors ma petite voilà. Fifi. Elle vous attend, hein? D'accord. Elle est là, elle attend sa nouvelle maman. Ah bah très bien. Donc on va c'est cette première maman qui ne va pas être contente. Ah bah, bah elle sera bien à la maison. Viviane a réservé un chiot pour sa fille adolescente. Elle a pu l'acquérir grâce à un petit héritage. Donc, toujours le prix. Toujours le même prix. D'accord. Donc, 2000 euros. 2000 euros. D'accord. T-U-R-E-N. Encore un N et un E. Je me dis que, ça dure 10-15 ans, donc 2000 euros seront largement abortis. Si je divise ça par 10-15 ans, ça me revient pas cher par jour, quoi. Coucou ! De retour chez elle, sa fille est toute excitée de découvrir le chiot qu'elle attend depuis un an. Bah, j'ai été chercher le petit Wawa. Tiens. Oh, elle est trop mignonne. On dirait qu'elle a peur. Bah, attends, c'est normal. Ça part de sa maman, là. Donc après... Donc ce n'est pas un jouet. A fait pipi. Voilà, tu peux essuyer son premier pipi. Oui. Voilà. Mais parfois, l'histoire d'amour peut se terminer en drame. Aujourd'hui, sur 120 chiens recueillis, 60 sont des chihuahuas. Selon la responsable du centre, certaines familles, influencées par la mode, les avaient adoptés à la va-vite.